Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Alors maintenant j'ai fait un nouveau truc, je me suis dit quand je sais plus à quel numéro d'épisode je suis, je dis juste nouvel épisode, voilà. Donc j'ai tourné évidemment à la suite du dernier épisode où on venait de conclure l'enquête double jeu, sauf que je me rappelle plus du chiffre, je crois qu'on est au 7ème, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon vous avez le titre et la miniature qui vous informe et on va classer l'affaire. Holmes, vous ne pouvez plus vous dérober. Vous devez dire à Kate toute la vérité sur ses origines. Impossible. Vous n'avez pas le choix. Bientôt, elle apprendra qu'Alice va partir. Et ce secret en plus, elle ne vous le pardonnera pas. Elle n'a pas besoin de savoir. Ah bon? Elle vous reprochera le départ d'Alice. C'est ce que vous voulez? Non! Mais je... Kate a raison. Je fais toujours tout de travers en ce qui la concerne. Écoutez... Nous en reparlerons quand nous serons rentrés à Baker Street. Cocher, que se passe-t-il? La route vers la place est fermée, monsieur. Pourquoi? Il y a eu un sacré accident. Oh, splendide. Holmes, allons voir s'il y a des blessés à secourir. Ok, j'ai un chrono dans les oreilles. Mais elle bouge. Il est encore en vie. Il ne respire plus. Il n'y a pas de pouls. Il faut agir vite pour le sauver. D'accord. Ah oui, on va sauver quelqu'un. Vas-y. Oh, je suis hyper nul au jeu de rythme. D'accord. Heureusement que j'ai mon brevet de secouriste, enfin de premier niveau. Oh la vache, c'est dur. Ça accélère. Grâce au ciel, cet homme survivra. Ah bon, c'est toi qui l'as décidé en fait. Holmes, ne restez pas planté là, faites quelque chose. Merde. Oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Allez vous mettre en sécurité, monsieur. Oh la vache. Donc on en a un de sauvé. Sans vous, je serais mort. Qu'est-ce que je fais? Charnière, ok. La hache! Putain, mais est-ce qu'il y avait un vrai chrono ou bien. Ça me stresse. Ces gonds n'ont pas l'air solides. Allez, c'est à moi de sauver ces gens! Je peux devenir un héros national. Allez. Y'a tout qui crame là. J'essaye de faire vite, mon pote. Ok, pour l'instant, personne n'est mort. Bon bah c'est peut-être bon là au bout d'un moment. Voilà, c'est bon, t'es sauvé. J'arrive monsieur. Pas de plaie visible, il est coincé. Oui, c'est très lourd en effet. Et quoi? Peu. Qu'est-ce qu'il me faut? Help. C'est bon. Planche de bois. Peut servir de levier. Je sais pas si ça on devait le faire avec Watson ou avec Holmes. Il a un meilleur sens de l'observation. Allez, sors, sors, sors. Vas-y, champion. Qu'est-ce qu'il me reste? Putain, mais il y a plein de monde. Enlève ça! Il n'y a aucune blessure. Je ferais mieux d'appeler. Ok. Watson, c'est quoi ta touche? C'est ça. Mais il est où? Je suis où? Mais
Putain, mais pourquoi il est aussi loin? Ok. Merde, mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Aucune blessure visible. Je peux peut-être essayer l'ammoniaque. La vache, comment c'est dur. Bon, bah il y a une personne décédée. Je suis désolé, j'essaye de faire de mon mieux. Hein. Ne vous en faites pas, je n'ai rien. Quoi? Mais je suis où, je suis où? Ah putain, il y a lui là. Non, il y a lui aussi. T'as rien? Parle-moi! Aïe! Mon épaule! Je suis médecin. Est-ce que je peux examiner votre épaule? Oh, c'est stressant, hein. Retirez quoi? Qu'est-ce que je fais? Quoi? Ah d'accord. C'est bon. J'ai pas... Merci pour votre aide. J'ai pas compris. Vous. Attends, faut que j'arrive à me repérer là. C'est assez compliqué. D'accord. Il est bloqué lui aussi. Échafaudage. D'accord. Oh, c'est dur hein. Qu'est-ce que je dois scier? Désolé si vous entendez ma manette. Bam. Ensuite. Là, on lui arrache la jambe, c'est ça? J'ai pas compris. Merci pour votre aide. Je vous en prie, aidez-moi, ma jambe. Watson sera sûrement mieux. Pousse-toi, pousse-toi. Watson. Oui. Je vous en prie, aidez-moi. Putain, on n'aura qu'une seule personne décédée. Je suis le docteur Watson. Laissez-moi vous examiner. C'était dur! La vache! Il ne semble pas y avoir de fracture. D'accord. Oh, ça fait mal. Tu t'es foulé la cheville, quoi. Est importante. Je pense qu'un bandage improvisé suffira pour l'instant. Un moment, je vais chercher le nécessaire. Bien. Laissez-moi placer le bandage. Je croyais que je devais aller chercher quelque part. À quel niveau? C'est ça, ton bandage? Hop. Ça, j'ai appris, moi. Merci, docteur. Ne vous inquiétez pas, c'est mon métier. Merci, docteur. C'est bon, on a sauvé tout le monde. Je pensais pas m'en sortir. Wouh ! Holmes, la police semble avoir arrêté quelqu'un. C'est peut-être le responsable de ce désastre. Ok, de retour. C'est tellement intense, vous avez vu comment le rythme est... Pensez-vous de cet accident, Holmes? Le rythme a accéléré d'un coup. Laissez-moi! Vous dites n'importe quoi! Insulte à agent, hein? Ça va bien maintenant. Que se passe-t-il ici, sergent? Monsieur Holmes, voici l'homme qui a construit l'échafaudage qui a provoqué l'accident en s'écroulant. Eh, c'est pas vrai! Vous êtes blessé? C'est pas son vrai. Son marteau m'est tombé sur la jambe. Comment? Depuis l'échafaudage. Quand ce fichu truc s'est écroulé, le marteau là-haut a volé et s'est écrasé sur ma jambe. Vous vous trouviez donc à cet endroit? Ouais, ouais, c'est ça. Par conséquent, il lui aurait été impossible de faire tomber l'échafaudage, sergent. Peut-être qu'il était mal construit. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber? Bah peut-être vous, avec votre matraque pourrie. Continuez comme ça et vous allez y goûter, à la matraque. Un instant, sergent. Cet échafaudage a été délogé de sa base. Il semble peu probable que cet accident soit la faute de ce bon monsieur.
Permettez que j'inspecte les lieux. Et essayez d'être utile, plutôt. Bouclez le périmètre. Personne ne doit entrer ni sortir. Est-ce que c'est bien clair ? Absolument, monsieur Holmes. D'accord. Cet accident est quelque peu inhabituel. Il faut que je me concentre sur les détails. Je dois inclure tous les participants dans l'ordre des événements. Oula ! D'accord. Qu'est-ce que j'y fais ? Qu'est-ce que je fais ? Rien compris. Alors. Tac, tac. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Le jeu ne veut pas m'aider. Donc, l'imagination permet de vous aider. D'accord. Je n'avais jamais vu un tel accident de la circulation. Puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident ? Je vous en prie. Pas maintenant. Je suis sous le choc. L'échafaudage a heurté cet attelage en tombant. Ce fiacre était impliqué dans cet accident tragique. Ce mécanisme a définitivement joué un rôle dans l'accident. Ah, ça l'a pas noté, ça. Bonjour, monsieur. J'aurais quelques questions à vous poser. J'enquête sur l'accident. Vous conduisiez cette charrette ? Oui. Je livre les légumes de ma ferme au marché de Londres. Que s'est-il passé, exactement ? Je sais pas. Il y a eu une collision, je suis tombé par terre. Oh, j'ai encore la tête qui tourne. Une collision avec quoi ? Avec cet engin juste devant moi. Il s'est arrêté tout d'un coup. J'ai essayé de l'éviter, mais j'ai pas eu le temps. Ça m'a l'air d'être un Vous bordel. Vous avez une idée de ce qui a pu l'obliger à s'arrêter si brusquement ? Non, aucune idée. Bah peut-être que genre l'électricité au sol, je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis ? Une flaque d'eau et de l'électricité. Une association mortelle. Ça, tu l'as dit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta citrouille, gros ? Toi, parle-moi. Puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident ? Tout s'est passé si vite. Il y a eu... Cette charrette doit être capable de circuler à grande vitesse. Ce fiacre a été enflammé par l'explosion du magasin de lampes. Le cocher est mort. Il a été tué par l'explosion. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Non. Donc il y avait une victime là-dedans que j'ai pas pu sauver. Des drapeaux de festivité. Merde. Ce cheval a été aveuglé par le drapeau. Il s'est emballé et a fini dans la vitrine. Les lampes à gaz peuvent avoir causé l'incendie et l'explosion. Très bien. Un phaéton ordinaire. Un quoi ? Une situation peu ordinaire. Ah, ça doit être le type de véhicule. Ce fiacre a percuté l'échafaudage et l'a fait tomber. Faites voir un petit peu comment on affiche la carte, voilà. Oh. Regardez-moi ce joyeux bordel. On n'a rien ici, c'est un peu bizarre. On va essayer de voir si j'ai pas manqué quelque chose. Là, il y a des trucs. Non. Tiens-toi. Puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident ? Non, vous pouvez pas. Laissez-moi. Pas très poli, celui-là. Ces armoires sont tombées comme des dominos. Une vieille charrette qui a connu des jours meilleurs. Les citrouilles sont tombées ici, après l'accident de la charrette. Il y a le monsieur là-bas, je sais pas si on peut aller lui poser une question. C'est une véritable catastrophe. Rien d'autre ? Mais il vient d'où le courant là ? Ah, de ce poteau ici. Faites bien gaffe. Les réverbères à gaz de la place fonctionnent à présent à l'électricité. Une flaque d'eau et de l'électricité. Une association mortelle.
D'accord. Je sais pas pourquoi ça m'affiche le R. Hein. Je suis bizarre ou je comprends pas? Là, on n'a pas tout. Hein. Je vais éviter de marcher dedans. Lui, on peut encore lui parler. Oh, quel terrible carnage! J'aime bien cette petite musique entraînante. J'espère que vous l'entendez. Je sais que j'ai baissé un petit peu le volume, mais... C'est une véritable catastrophe. Ok. C'est une véritable catastrophe. Mais tu me sers à rien, en fait, toi. Ah, mais il y a des gens encore dedans. Non, on va peut-être pas s'approcher plus que ça. Puis-je vous poser quelques questions? Et toi, t'es sous le choc. Toi. Oh, ma pauvre... Monsieur Holmes? Monsieur Holmes? Oui, quoi? Tu n'as rien à dire. Vous, messieurs, dames, n'êtes pas témoin? Bon, je comprends. Watson. Que pensez-vous de cet accident, Holmes? Tu m'es vraiment inutile pour l'instant. Puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident? Tout s'est passé si vite. Il y a eu une explosion et mon cheval s'est emballé. On a fini contre ses armoires. Puis-je vous poser... Tout s'est passé si vite. J'ai l'impression de rater quelque chose. Mécanisme de levage, plateforme. Je sais pas. Il manque deux éléments, putain. On va retourner voir le lampadaire. Écoutez. C'est un des seuls trucs qui me... qui me reste à compléter. Ah putain. Putain. Une pince. Pas mal. Et on va retirer l'autre. Et voilà. Et voilà. Oui, mais... À quoi ça m'a servi? Oh, quel terrible carnage! Ça m'a pas du tout donné d'indice, en fait. On va essayer de reconstituer quelque chose. Ça, c'est tombé. Ça a fait tomber la poutre. Ça a activé ça. Et ensuite ça. Merde. J'ai manqué quelque chose ? Attends. Merde, comment on annule quelque chose? La poulie. Hop. Bam, ça active ça. Oh là là. Le bordel, les frères. Attends, je suis à combien de minutes de vidéo? Parce que... Ok, c'est compliqué. Je peux pas passer par ici. Donc, il y a cette hache. La hache a été catapultée par l'échafaudage et a atterri ici. Oui. Mais ça me dit pas... Attends. Le fanion, il est là. La corde qui tenait les drapeaux a été coupée. Il en manque une grande partie. Carte de l'accident. Je pense avoir recueilli assez d'informations sur cet accident. Reconstituons l'ordre des événements. Oh la vache. Comment faire? Comment ça marche déjà?
Merde. Oh non, j'ai fait passer. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors. Pipa pipopu. C'est-à-dire... Donc, lui est arrivé. Il a fait ça. Ça a fait ça. Ensuite, ça a foutu le bordel. Qui a envoyé son truc là. C'est le fanion, ça ? Attends, c'est le fanion, moi. Hop, ça a fait tomber ce truc-là. Le cheval a été aveuglé. Bam ! Il est rentré là-dedans. Ce qui a fait tomber ce truc-là. Quoi, il est juste mort, lui ? Ok. Lui, il a voulu dévier l'accident. Ce qui a donné... Ce qui a mis feu à ce truc-là. Ouais. Donc ça a explosé. Lui il a voulu esquiver. Ça a fait tomber ça. Et attends. J'ai manqué quelque chose. Qu'est-ce que j'ai manqué? Comment j'enlève quelque chose? Ok. Alors, attends. 7. On repart au 7. Ah, c'est parce que j'ai retiré celui-ci. Ok, lui il est mort. Paf. Ça nous fait ça. Non. Ah putain, quelle merde. Donc 8. 9. 10. 11. 12. Et enfin le 13, c'est l'électrocution. Présent, je vais la séquence. Vas-y. Réaction en chaîne tout de même. Et voilà. L'arrêt soudain du fiacre a provoqué cette catastrophe. Mais le réverbère n'est tombé qu'ensuite. Alors, pourquoi le fiacre s'est-il arrêté ? Découvrir la cause de l'accident, découvrir ce qui a pu provoquer l'arrêt soudain du fiacre. Et ben on y va. Et puis après je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que si je regarde bien mon chrono, nous sommes à 25 minutes. C'est bon, on a le temps d'aller vérifier comme prévu. Tiens. Le bouchon a été dévissé. Il y a un cerclage métallique. Il y a un cerclage métallique. Pardon. Pardon monsieur. Tiens. Un tatouage. Celui d'une bande, selon toute vraisemblance. Cet homme est mort par électrocution, comme l'atteste la marque sur sa main. Il est armé. Ah, il était en fuite. Cet homme portait un revolver. Webley, je pense. Webley. J'ai manqué quelque chose. Ses chaussures. Bottes malodorantes. Et donc, il doit me manquer quelque chose. Voyons voir. Une sorte de solvant. Ah, il a kidnappé quelqu'un. Trempé dans le solvant. Bon bah lui il doit avoir des traces de solvant j'imagine. Là le même tatouage, non? Toi aussi t'es mort électrifié. Ils étaient au même endroit donc.
tatouage. Rasco. Oui, je le connais. Un petit criminel local. Un marteau pneumatique. De la boue. Ouf, elle sent mauvais. C'est peut-être pas de la boue, remarque. D'accord, et de ce côté... Peut-être le cheval. Je sais pas trop. Ah non, c'est ça qui est tombé. Je suis con. Bah non, pourtant. Qu'est-ce qu'il me reste? Cause de l'accident. Ah. Ce fiacre a été peint récemment. Il y a un texte sous la peinture. C'est peut-être important. Il faut que je trouve un moyen de retirer cette peinture. Railway. Attends. Ça vient de... Ça vient de... Comment on appelle ça? Un truc ferroviaire, non? Est-ce que t'aurais un produit? J'ai jamais vu un tel accident de la circulation. Monsieur Holmes? Qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu d'eau? Si j'enlève... Il y a un cerclage métallique. C'est pas un seau? Comment on enlève de la peinture? Là, il manque quelque chose. Ah. Malin, le gars. Et ça va nettoyer. Pff, trop fort. Trop fort. Underground. Railway. Un truc de métro. Métro électrique, je sais pas. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il considère que c'est assez nettoyé. Ah, au-dessus. Tu arrives à lire là peut-être? Non. C'est bon? Compagnie des chemins de fer électriques souterrains de Londres. Oui. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Quelque chose dans la flaque. Il y a des fils électriques sous la bouche d'égout. Ah, c'était fait exprès, tu penses? Mais ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais, ce truc. On va juste faire ça et puis après je pense qu'on va s'arrêter ici. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est un peu mystique, hein. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Crochet double utilisé de la même manière que... Donc il faut un petit... Plus 1, 2, 3... D'accord. Retirer. Ensuite, il me faut 2 plus. plus 2. 3 sur 1, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour ce crochet. Hein? J'ai pas compris. Il n'y a pas de place pour ce crochet. D'accord. Celui de 1, c'est bon. Il n'y a pas de place pour ce... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ce crochet.
Donc le 2 il me le faut. Si on fait... Et j'ai pas 2-1. Comprends rien. Tiens, c'est pas fini. C'est la première fois que je vois un appareil de ce genre. Oh là là, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, je peux même pas quitter le mini-jeu. Bon, on va le faire. On va le faire, écoutez. D'accord. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit la lumière au fond qui soit verte. D'accord. Pas compris. Ah, voilà! La charge électrique qui a touché le fiacre provenait d'ici. C'était pas si compliqué. Ok, donc on continue. Je me souviens plus où est-ce qu'on s'était arrêté. J'avoue que j'ai fait une petite pause entre ce qu'on a fait précédemment. On voit très bien le fiacre d'ici. Et aujourd'hui. Tiens, tiens. Tu penses que ce serait fait exprès, Sherlock? Pas de fumée sans feu. Les femmes sont désormais autorisées à fumer en public suite à une décision de la cour. Aujourd'hui, le juge Adcox a stipulé que fumer dans un lieu public ne constituait plus un crime pour les femmes à Londres, tout au moins. Il a ensuite abandonné toute poursuite contre Mary Towson, Anna Custer et Elsie Watkins, trois dames arrêtées pour avoir fumé à Trafalgar Square. Mais on est à Trafalgar Square, non? S'il y a un cheval. Ah non, c'est pas un cheval. Je m'ai trompé. Tiens, tiens. Du vin bon marché. La bouteille est ouverte. Je me remettrai en caméra ordinaire. Un seul verre contenant des restes d'alcool. Très bien. Voilà. J'avoue que j'ai voulu faire l'américain, mais... Eh ben quoi? C'est tout? Ça, on l'a fait, hein, on est bien d'accord. J'ai des doutes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendez. Ah, cool, aujourd'hui on a de la perceuse. J'ai bien fait de recommencer ma vidéo. Expliquez vos conclusions au policier qui a arrêté l'ouvrier. Ok, bah on y va. Non, attends, mais il y a trois porte-manteaux là, on devrait le noter quand même. Et puis là, il y a une chaise, et puis là, il y a un texte. Genre ça, on devrait pouvoir le lire enfin. Et pourquoi je peux pas aller ici? Il n'y a pas de poignée. Là. Non plus. Moi, il y a des endroits, j'avoue que ça me frustre un petit peu dans ce jeu-là. C'est qu'on n'est pas totalement libre. Et au contraire, quand on a des zones plus ouvertes, bah, c'est un peu frustrant parce qu'on a peur de s'éloigner de tout ça. Alors. Holmes, je vous cherchais. J'ai une idée au sujet de l'accident. Vous voulez dire du meurtre? Quoi? Quoi? Vous? Vous êtes un meurtrier? Vous êtes malade? Vous en êtes sûr, Holmes? Oh oui! Un meurtre et un accident. C'est le tueur en électrocutant le fiacre qui a provoqué ce carambolage. Cet accident se révèle être une formidable aubaine. Une aubaine? C'est choquant, Holmes. Le coupable n'a pas pu prévoir cet accident, vous ne comprenez pas? Ainsi, il est possible qu'il ait été bloqué ici à cause de l'arrivée rapide de la police. Et je vois cinq hommes qui pourraient être ce meurtrier. Regardons la carte. Très proche de l'appartement, en position idéale pour surveiller la place. Ouvrier local. Qui pourrions-nous avoir comme autre suspect? Il y a ces gens-là. Mais enfin, ça m'étonnerait quand même.
Alors, oula, c'est écrit quoi? Proche de l'appartement, pouvez diriger volontairement un mécanisme. C'est pendant l'accident conducteur de la charrette. Il y a lui là-bas qui est soi-disant sous le choc. Hein, monsieur? Très proche de l'appartement, c'est pendant l'accident, peut-être est-on innocent. Après, ce qui serait con, c'est que le tueur se soit tué pendant l'accident. Oui. Et toi là-bas, tu veux pas parler? En colère et nerveux. Ouais, mais me mettre en colère et nerveux, tu vois, ça me donne un petit peu une fausse piste, j'ai envie de dire. On n'avait pas quelqu'un d'autre? Peut-être les gens là-bas? On sait pas. Hein. Non, ils ont l'air d'être là vraiment en tant que spectateur et rien de plus. Ben, j'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. Toi, on t'a vu? Ah, il y a toi au fond. Ouais, mais non, mais lui, c'est impossible. Qu'est-ce qui vient de derrière? C'est une véritable catastrophe. Ouais, non. Quelque chose veut que je continue à utiliser cette... Regardons cette carte. 1, 2, 3. Et ils sont quasiment tous... Sauf lui. Sauf lui est le plus éloigné de l'appartement. Lui. Ouais. J'ai oublié des suspects, mais où? Il y a un mec que j'ai sauvé de là-dedans. Est-ce que c'est... Non, c'est pas lui pourtant. Il y en a un que j'ai sorti du fiacre. Il est peut-être là-bas, remarque. T'as rien à me dire, toi? Mm-hmm. Donc nous, on est... là. Mais ici, ça se ferme juste ici. Dans cette toute petite zone, en vérité, je vois pas grand monde. À moins que ce soit aux fenêtres. Mmh. Ça m'embête un petit peu, ça. Parce que je vois personne d'autre. À moins qu'on puisse les interroger. Oh, ma pauvre jambe! Oh. Tiens, il est blessé, c'est tout ce qu'il fallait savoir là. Bon, lui ça a l'air d'être tout. Seulement 3 trucs. Lui aussi on a eu tout normalement. Ouais. Mais lui. Tiens. Il va donc falloir désigner quelqu'un. ouais. Ok. Donc apparemment, il faudrait faire en sorte que celui-ci soit non suspect. Celui-ci, juste à gauche. Non suspect non plus. Cet homme est un cocher. Il était manifestement occupé pendant l'accident. Il n'a pas été possible d'activer. C'est ce que je me disais. En vrai, il commence à déjà être trop loin. Et lui, il a raison. Cet homme est un cocher. Il était manifestement occupé pendant l'accident. Appareil électrique. Ouais. Après, il nous reste celui-ci qui est nerveux. Celui-là qui est un petit peu déboussolé apparemment. Peut-être qu'il joue bien. Et celui-ci qui s'est blessé dans l'accident. Si vous quittez ce mini-jeu pendant votre... Ok. On va mettre cela suspect. Celui-ci suspect. Et le dernier... Hop, suspect. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, hein, attention. C'est juste que, attention, on a une petite idée, voilà. On va retourner voir... c'est là. Je suis un petit peu perdu sur ce rond-point. Monsieur! Sergent, j'ai identifié 3 suspects. Emmenez-les à Scotland Yard pour interrogatoire. Tant que je ne rentre pas les mains vides, ça me va. Je connais ce regard, Holmes. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Pour pouvoir piéger le fiacre, le tueur devait connaître l'itinéraire qu'il emprunterait. Ou alors, on peut imaginer que son point de départ est tout près d'ici. Peut-être même dans cette Remarquable. Rue.
Holmes, je suis désolé, mais je dois accompagner les blessés à l'hôpital. Je comprends, Watson. Mais n'oubliez pas notre petite conversation. Hmm? Au sujet de Kate. Ouais, bon, bah ça va, au sujet de Kate, c'est pas ta fille non plus. Tu veux m'apprendre à devenir un père? Surtout qu'elle sait déjà qu'on n'est pas son vrai père. On avait un truc ici. Hein. Je sais plus où c'est. Si c'est cette plaque d'égout. Découvrir d'où venait le fiacre. Découvrir d'où venait le fiacre, ce n'était pas très loin de la, dans la rue. Résoudre le meurtre de la place à interroger les suspects potentiels. Ah, mais on a plein de trucs à faire, c'est génial. Bon, le mec, il est plus là. Ah bah oui, ils sont au commissariat. Je me suis dit... Alors. Truc d'électricité. Est-ce qu'on doit vraiment quitter la rue? Tiens, tiens. De la boue. Ouf, elle sent mauvais. Il y a eu une collision ici. C'est rigolo, la musique se coupe à chaque fois. La serrure a été forcée. Ok, on n'a plus besoin de cette vision. Le nid de serpent et conspiration. Dans le quartier de Saint-Victor, au cours d'une démolition d'une vieille bâtisse, les maçons ont découvert un nid de serpent comptant plus d'une centaine de reptiles grouillants. Ces animaux vivaient au fond d'un puits asséché depuis longtemps. Au milieu du nid se trouvait un squelette, le squelette d'un enfant qui avait sans doute trouvé la mort en tombant dans le puits. Curieusement, le squelette en question tenait encore un porte-document de maroquin rouge. J'avais lu de mannequin. Dont le contenu avait beaucoup souffert à l'exception d'une bande de papier sur laquelle on lisait encore « Ne pas dévoiler le complot ». C'est à base de complots, de serpents et tout le tralala. J'aime bien cette petite boutique, elle me plaît. Ah! Ah oui, non mais les serrures, ça devient quelque chose... ça devient quelque chose d'assez compliqué, hein. Attendez. Il me faut le 1, ça c'est bon. J'ai l'impression d'en avoir déjà deux en bas. Il me faut... passer au crochet, pardon. Il me faut, attendez, celui-là. Et enfin, ça m'a l'air bon. Attends, on va essayer. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Non, excuse-moi. Voilà. Ensuite, on retire. Hop, là on va prendre celui-ci qui est de 3 et l'autre on va prendre un 3 un 3, attends, je me gourre à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut prendre? 3 et 4, ça a l'air bon. Ça a l'air bon parce que la forme, ouais c'est ça. Ouais c'est bon. Et voilà. En fait au début j'avais pas compris pourquoi on pouvait en mettre des 1 sur 4, des L'atelier. Trucs comme ça. On y produit les objets destinés à la vente. C'est une question de profondeur en fait. De la boue. Pouf, elle sent mauvais. Oui, bah on a compris. Le mec il va nous faire à chaque fois. Pouf, elle sent mauvais. Tiens. Encore on de la mis boue. Ce tapis là intentionnellement. Et pouf, elle sent mauvais. Non, c'est, tu crois? Oh my god. Un ancien point d'accès aux égouts. There's a huge hole. Aller dans les égouts ou examiner? Bonne question, hein. On va l'examiner avant, non? Attends, je suis sûr qu'elle... Voilà. Un ancien point d'accès aux égouts. Voilà, et on peut y aller. C'est ouf la diversité de décors qu'on a quand même. Au début, je pensais qu'on allait être que dans les beaux quartiers et tout ça. Puis je me suis souvenu qu'on était bien dans Sherlock Holmes. Ce petit effet là. Oh c'est beau. C'est pas non plus le truc incroyable. Mais c'est beau. je sais plus ce qu'on cherche d'ailleurs. Ah si, les trucs de boue. J'ai même pas vérifié s'il y en avait là. Et là vous voyez.
Genre, je peux marcher en maintenant R1. Ce qui n'était pas possible une autre fois là quand. Enfin, je sais plus si c'était en vidéo ou non. Quand j'ai remarqué ce truc là. Il y a un moment on est poursuivi et puis. Ah non, c'est quand on est dans le cimetière avec Wild. On peut pas utiliser cette vision en même temps qu'on avance. Ce qui est, ma foi, un peu dommage. Tiens, tiens. Mais c'est un véritable labyrinthe. On a une échelle ici. Est-ce que ça mène à quelque chose? Non. C'est quoi, une sorte d'énigme? Ou bien faut juste traverser cette porte fermée. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui va me surprendre au bout d'un moment. Ah. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui se balance. Ok. Ça me fait penser à Batman Arkham Asylum. La phase juste avant d'aller combattre Killer Croc. Ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on a gagné? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il fallait mettre à 1,5. On va voir. J'espère qu'il n'y a pas un petit chrono là. Histoire que genre... Ah bah tiens, le niveau de l'eau remonte. Bon, en tout cas on est à Londres. Les mecs qui en sont tellement fiers. Ah d'accord. Normalement, là on est bien en face. Je vérifie s'il n'y a pas autre chose à ramasser. Ça m'a l'air bon. On va pouvoir remonter et remettre le niveau à 1. Sur le niveau 1. Ok. Peut-être que ça va faire redescendre la porte. Alors, vas-y. Et voilà. Et là, normalement... Ah. Ah. Un peu trop. On va mettre à 1,5. Voilà, parce que non, j'ai décidé. Voilà. Et là, on peut. Oui! Nickel. Bon, c'était pas très très dur. On peut aller à droite, mais aussi à gauche. Alors, attendez, on va tout fouiller avant de partir. Ça n'a servi à rien. C'est cool la cohérence de l'open world, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est la même machine. D'accord. Et si je descends là? Pas sûr d'avoir compris moi. Je suis pas sûr d'avoir pigé le truc. On va passer le mini-jeu. Ça clairement c'est relou. Voilà. Ah, ah oui, je suis de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée de ce que je suis en train de faire. Donc là, si on va dans l'eau, on meurt. Ouais. On va remettre à 0 du coup.
pas sûr d'avoir trouvé le bon truc. Hein. Là, je fais totalement au pif, j'avoue. J'ai le guide toujours à côté de moi, mais j'essaye de faire sans. C'est une énigme assez abordable, il me semble. Alors, ça, on voudrait l'emmener où? Juste là, tout au fond. Ok, ça m'a l'air faisable. El fuego! Il y a ce petit bruit de chaîne là pendant que j'étais en train de pousser qui me fait un petit peu peur. J'ai l'impression que quelqu'un va arriver. Ok, donc là on peut pas. C'est bien fait quand même. Et est-ce qu'on aurait juste à remonter? Ah ok ok. Je crois avoir compris. On va mettre celui-ci au maximum. Ou alors à 2... 1,5. On va voir ce que ça fait à 1,5. Est-ce que ça remonte pour tout le truc? Ouais, ça remonte pour tout. Là, on peut y aller. Bon. C'est relou si on doit le faire à chaque fois... Donc je descends là et je prends l'échelle. Ça paraît simple hein. Ça me paraît un petit peu trop simple même. Voilà. Mais quelque chose me dit qu'on n'en a pas fini. Coup de pompe, j'ai eu un trophée. Bah merci du coup. Ah oui, ok, ça débloque tout après. Mais c'est quand même bien plus facile comme ça. Ce bruit de chaîne. J'ai l'impression qu'on va avoir, vous savez, les mecs avec des griffes dans Resident Une Evil 4. Au vu des circonstances, sans doute de l'oxyde de fer. Ou des rubans de magnésium. De... ça c'est quoi? C'est de la vanille? Une poudre métallique. De l'aluminium, on dirait. Très bien. Je consigne tout ça dans mon petit agenda. Attends, il y avait écrit quoi? Fouiller les égouts sous la boutique Barry et Bucket sur le lieu de l'accident. Bah, je vous propose qu'on continue. Hein, on a encore quelques minutes et puis après on va s'arrêter là parce que l'épisode la bande de Rasco commence à durer. A donc cambriolé la banque. Et vous savez quoi, je pense même qu'on va s'arrêter ici. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'aime bien cette nouvelle enquête. Elle me stimule plus que les précédentes, en tout cas. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et ne ratez surtout pas la suite de cette enquête qui est, ma foi, fort palpitante. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.